Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel, enfin nouveau, entre gros guillemets. En gros, aujourd'hui, je vais vous faire un tuto complet sur Coupe Atlas et tout ce qui touche à Coupe Atlas. Donc, c'est quelque chose que j'ai déjà fait dans des vidéos en plusieurs parties. J'ai fait des tutos Coupe Atlas du coup en plusieurs épisodes. Sauf qu'en fait, il se trouve que c'est très chiant. Parce que déjà il n'y avait aucun montage dessus. En plus c'est des tutos longs d'à peu près d'entre 30 minutes et 1 heure chacun. Donc c'était vraiment pas agréable à regarder. Et du coup voilà, là je vais faire un tuto entier. J'essaie de faire un peu de montage histoire que ce soit un peu mieux. Que ça marche un petit peu mieux. Et donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, vous aurez besoin de 4 choses. La première c'est Coupe Atlas. Évidemment. La seconde, c'est Coupe Puzzle. Coupe Puzzle est le logiciel qui permet de créer des tilesets pour Coupe Atlas. Qu'est-ce qu'un tileset? En fait, c'est littéralement en anglais un set de tuiles. Tile, c'est tuile. Set, bah, c'est set en fait. Enfin, c'est comment? Le verbe set en anglais, c'est de base, c'est définir. Voilà. Mais quand on dit, mais ça peut aussi dire, quand on dit un set, ça peut vouloir dire un groupe de, en fait. Vous aurez également besoin de Photoshop. Alors ça c'est pas obligatoire, mais c'est quand même vachement recommandé. De Photoshop et du Tileset Template. Alors qu'est-ce que c'est donc? En fait le Tileset Template c'est simplement littéralement donc un template de Tileset, donc un comment je pourrais traduire template? Un truc de base en fait pour les tilesets de Coupe Atlas. C'est ce qui va permettre en gros à partir d'un seul bout de tileset, du tileset de face, de faire tous les autres. Donc c'est beaucoup plus simple comme ça pour faire des tilesets. Et Photoshop, parce qu'en fait ça marche avec un plugin de Photoshop, enfin un script plutôt, qui du coup requiert Photoshop, logique. Donc le plugin il est juste ici, enfin le script, pardon. Pour installer un script Photoshop, ça je vous invite à regarder sur internet, ce n'est pas mon domaine. Mais ne cherche pas plugin, parce que moi au début, je me souviens au départ, j'avais bien galéré, parce que j'avais cherché bah, comment mettre un plugin Photoshop. Sauf qu'en fait, ça c'est pas un plugin, c'est un script, je crois, ou un truc comme ça, mais c'est pas plugin. Donc voilà. Donc tout d'abord, on va commencer par la base, c'est-à-dire Coupe Atlas lui-même. Donc il se présente comme ça. Donc de base, c'est pas compilé avec un point exe, de base, c'est un point pi. Mais pour plus de simplicité, dans la description, je mettrai un point exe. Et puis, si vous voulez le fichier Python directement, il sera aussi en description. Enfin, je vous mettrai le lien quoi du repo sur GitHub. Et puis, vous pourrez télécharger, mais franchement, juste utiliser le point exe quoi. La version Python ne vous servira à rien, à part si vous voulez à la limite le modifier pour faire des modes de coupe Atlas. Mais bon, franchement, tout le monde s'en fout. Donc, tout d'abord, ouvrez-le. Logique. Hop! Dans votre Coupe Atlas, vous avez, enfin dans le même dossier du moins, vous avez trois dossiers. Le premier, c'est Resources. Alors, dedans, basiquement, on n'en a pas grand-chose à faire. En fait, c'est simplement les icônes de Coupe Atlas. Donc, par exemple, l'icône là, la petite icône juste ici, elle doit être Layer Tile. Ouais, voilà, c'est ça, vous voyez. C'est comme ça que ça marche. C'est toutes les icônes. Donc, pour le coup, on s'en moque un petit peu. Même chose là dans le dossier. On s'en moque, ça n'y touchez pas. Surtout pas d'ailleurs, parce que sinon vous allez sûrement casser quelque chose. Les tilesets. Donc, comme nous le dit ce superbe fichier, c'est ici que les tilesets se trouvent. Donc, ils sont au format arc, c'est-à-dire au format arc, donc sous le format d'une archive U8, donc ouvrable avec Brawlcrate, comme vous pouvez le voir juste ici, Brawlcrate ou Brawlbox. Qui se compose de 6 fichiers. Donc groupe qui définit les groupes, je vous expliquerai ce que c'est plus tard. Ensuite ici donc on a les textures, là le enfin ici aussi des textures, là les textures plus optimisées, un texte avec je ne sais plus pour être honnête, et objet c'est objet mutage, je sais plus, mais de toute façon on s'en moque un petit peu. Tout ce qui vous intéresse c'est optimize texture.bin, parce que si vous avez bien remarqué, si vous avez déjà joué au jeu pardon. Si je vais dans mon dossier Maps ici, de mon Patch Revolution, bon là en l'occurrence c'est directement un ISO extrême et c'est pareil avec un Patch Revolution. Si je vais dans Texture, vous allez me dire, mais attends, ils sont en point bin, point lh les tilesets, pas en point arc. Et justement, vous allez voir pourquoi en fait c'est ce fichier-là dont on aura besoin qu'il faudra compresser, mais c'est pour plus tard. Donc,
Ensuite, vous avez le dossier World Maps qui contient, attention, vos World Maps. Donc elles sont au format KPMAP, donc KPMAP pour Coupe Atlas Map, logique. Et en fait, ça va être les fichiers projets de vos maps. Parce que les World Maps dans New World UI ont deux formats, le KPMAP et le KPBIN. Le KPMAP, lui, il sert tout simplement à être ouvert avec Coupe Atlas pour une modification plus simple, tout simplement. Alors que le KPBIN, lui, sera ouvert par le jeu, et surtout pas par Coupe Atlas. Coupe Atlas ne pourra pas l'ouvrir. Et en fait, simplement, pourquoi avoir fait deux formats? Simplement parce que le KPBIN est plus compressé et plus optimisé. Donc c'est beaucoup plus simple pour le jeu de lire qu'un KPMAP. Et du coup, bah, forcément, voilà. Donc, pour vous donner un équivalent, par exemple pour ceux qui voient ce que c'est Sony Vegas Pro, qui est un logiciel de montage vidéo, que j'utilise souvent, que j'utilise là maintenant pour monter cette vidéo surtout. Les fichiers .vec, ce sont les fichiers projet, donc les fichiers qui contiendront quel bout de vidéo sont où, alors que votre fichier MP4, c'est ce qui est sorti, ce qui va être lu par l'utilisateur qui va vouloir lire votre vidéo. Bah là, c'est pareil. Les KPMAP, c'est les fichiers projet qui sont modifiables, alors que les KPBIN, c'est le fichier qui est destiné à être lu et seulement être lu, pas à être modifié. Voilà. Donc maintenant, nous allons dans Coupe Atlas. Donc comme vous pouvez le remarquer, il y a déjà une petite barre en haut, ainsi que deux petites fenêtres sur les côtés. Donc tout d'abord, je vais vous décrire ces deux petites fenêtres. Elles ont pour eux, donc déjà cette fenêtre-là, comme son indique, layer, qui veut dire couche, alors pas les couches pour les bébés, mais une couche dans le sens, une couche par-dessus une autre. Donc quel morceau de tileset sera par-dessus quel autre morceau. Donc par défaut, il y a une couche qui est déjà mise, c'est les paths. Path qui veut dire chemin. Quand vous faites clic droit pour en placer un peu comme sur Reggie, en fait, pour placer un path ou un doodad ou un tileset ou n'importe quoi, c'est un clic droit. Quand vous faites un clic droit, il vous demandera quel tileset vous allez utiliser pour les chemins. Donc les chemins, vous vous en doutez, c'est le chemin que Mario empruntera pour aller sur un niveau par exemple. Et si vous avez joué au jeu, vous savez que quand par exemple vous finissez un niveau, vous ressortez du niveau, bah, il y a une texture de chemin qui apparaît sur le chemin en question. Et bien cette texture, c'est un tileset. Du coup, il vous demande quel tileset vous voulez utiliser pour vos chemins. Donc là, en l'occurrence, on va utiliser les tileset du monde 8. Donc vous voyez, il y en a 8 en tout, de 1 à 8. On va utiliser celui du monde 8 parce que je les trouve vachement beaux. Donc on va faire OK. Et ça va nous placer un chemin. Donc ensuite, on peut en placer d'autres, mais bon, ça, je vous expliquerai tout ça, comment ça marche après. Ensuite, on a des petites fenêtres en bas. La première, Add Tile Layer, qui en fait veut dire ajouter une couche de tuiles. Donc en l'occurrence, ajouter un tileset. Si vous cliquez dessus, il vous demandera quel tileset vous voulez, logique. Donc nous, on va prendre un tileset que j'aime bien, perso. Rising Sun, qui est le tileset de la map du Sakura Village, si je dis pas de bêtises. Donc on va cliquer sur OK, et là du coup, si je clique dessus, vous voyez, voilà, ce dont je parlais tout à l'heure, une autre fenêtre apparaît à gauche. Autre chose, vous avez les doodads qui sont juste ici. Vous pouvez cliquer dessus pour ajouter une couche de doodads. Alors là, vous voyez que ça prend un peu de place sur l'écran. Vous avez deux fenêtres qui apparaissent. La fenêtre des doodads, tout à gauche, ainsi que la fenêtre des animations de doodads, en bas. Qu'est-ce qu'un doodad? Il s'agit d'une image au format PNG, en l'occurrence quand on l'importe. Après, quand c'est exporté, c'est dans le KPBIN, donc on s'en fout. C'est une image, donc en l'occurrence, au format PNG. Je sais pas si ça marche avec d'autres formats. Je vais voir ça tout de suite, tiens, tant qu'on y est. Bon, ça marche avec PNG, JPEG et Bitmap. Bon, voilà. C'est une image, donc, dans ces trois formats, qui sera placée sur votre map, enfin, que vous pouvez placer où vous voulez, et donc vous pouvez animer. L'avantage de ces images par rapport au tileset, c'est que ces images sont... Vous pouvez... Enfin, c'est tout simplement pas limité, quoi. Un tileset, il y a une grille de limitation, il y a une limite de taille, après vous pouvez très bien faire des milliards de tilesets, mais bon, vous aurez l'air con. Et puis aussi, c'est beaucoup plus optimisé d'utiliser un doodad, par exemple, pour placer une maison Toad, que pour carrément créer un tileset pour ça. Autant juste utiliser un doodad, surtout que le doodad prendra moins de place que le tileset, parce que le tileset est un fichier externe, le doodad, lui, il est compressé au maximum dans le KPBIN. Donc à ce niveau-là, c'est clairement mieux d'utiliser un doodad. Par contre, vous amusez pas à prendre des screenshots de vos tilesets et les mettre en doodad pour build votre map avec des doodads, hein, quand même. Parce que là, par contre, du coup, ce ne sera pas du tout optimisé parce qu'à la fin, votre KPBIN, il va faire je ne sais combien de mégas. Donc voilà ce qu'un doodad, et du coup, comme je l'expliquerai après, vous pouvez l'animer.
Le troisième bouton ici sert à supprimer une couche. Donc je n'ai pas appuyé dessus, mais en gros vous sélectionnez une couche, je voulais supprimer. Move up sert simplement, là par exemple je sélectionne la couche de doodads. Move up permet de la mettre par-dessus. Move down permet de la redescendre. Et le petit triangle ici c'est pour jouer les animations de doodads. Donc pour quel est l'intérêt d'en mettre une au-dessus de l'autre, vous allez me dire. Simplement si vous avez plusieurs couches de tileset, bah comme ça vous savez lequel va par-dessus l'autre. Ce qui est logique quoi. Ensuite vous avez cette petite fenêtre, Path Node Layers. Donc qu'est-ce qu'un path, qu'est-ce qu'une node? Donc un path, donc c'est un chemin, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Node, c'est un nœud. Donc en fait, par exemple, là ici, je vais faire quelques chemins, tout simplement pour lier un chemin à un autre, vous cliquez sur le chemin, et après vous cliquez droit ailleurs, et ça créera un chemin qui sera lié. Donc je vais créer ce petit chemin, à peu près. Alors bon, c'est galère de faire un truc bien droit, ça c'est un peu saoulant. Hop, hop. Hop, voilà, admettons, j'ai ce chemin-là. Et bien ça, c'est un chemin, donc un path. Alors que les petits points là, ce sont des nodes, donc des nœuds. En gros, des intersections, si vous préférez. Des points, en fait. Et simplement, ici, c'est la hiérarchie de ces nodes et de ces paths. Je vais dire nodes et paths, parce que dire chemin et nœud, ça sonne vraiment pas beau. Donc ici, vous pouvez donc ajouter un dossier, en supprimer un ou sélectionner un tileset. Donc quel est l'intérêt? Bah simplement pour ranger en fait vos nodes entre guillemets. Comme ça par exemple, enfin après c'est utilisé nulle part. Hein, dans les KPI maps du jeu de base c'est pas utilisé donc je vous le déconseille. Mais bon si vous voulez ranger vos trucs vous pouvez. Et voilà voilà. Donc vous remarquez d'ailleurs que du coup quand je sélectionne un chemin ici, je peux lui attribuer une texture. Parmi les chemins de World 8 comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, voilà, donc ça c'est tout pour la présentation des fenêtres. Maintenant je vais vous montrer la barre en haut. Tout d'abord l'onglet File qui veut dire fichier. Bon ça c'est assez connu, je vais pas vous faire tout le détail non plus. Nouveau, merde, nouveau, ouvrir, donc ouvrir un KPI map. Save pour enregistrer un KPI map. Save as pour enregistrer un KPI map autre que celui existant. Export pour exporter un KPI bin. Donc je rappelle, un KPI map est modifiable, KPI bin pas modifiable. Et par contre, sachez qu'il n'y a pas de import, hein. C'est irréversible. Si vous avez exporté un KPI bin, le KPI bin ne peut pas être reconverti en KPI map. Batch, pour être honnête, je ne sais plus ce que c'est. Mais de toute façon, je ne l'ai jamais utilisé, donc ça ne doit pas être utile. Take screenshot bah, pour prendre une photo de votre map. Export doodad pour exporter tous les doodads présents dans votre map au format PNG, JPEG, bitmap, selon ce que vous avez importé. Ensuite, edit. Bon, ça c'est habituel, hein. Copier, couper, coller, tout sélectionner, désélectionner. Bon, voilà, je ne vais pas faire le détail là-dessus. Layer, donc là en fait, ici, basiquement, c'est exactement pareil que ce que vous avez ici, là, à droite. Sauf que c'est écrit en fait, mais c'est exactement les mêmes fonctions. Si vous voulez voir, par exemple, Add Tile Set Layer, si je passe ma souris dessus et que je la laisse ici, j'ai Add Tile Layer. Donc voilà, bon là c'est écrit tile set, là-bas c'est écrit tile, c'est la même chose. Hein. Animate, donc pour jouer les animations, les reset, donc les remettre à leur état de base. On peut aussi sauvegarder un preset d'animation. Donc qu'est-ce qu'un preset d'animation? C'est par exemple vous avez enregistré une animation, et ben vous pouvez l'exporter en tant qu'un fichier, et ensuite du coup vous pouvez la charger, donc la réimporter sur votre truc, sur une autre par exemple, et clear bah, pour même chose y virer. Map. Donc ici on a deux choses qui sont extrêmement importantes. Cette background c'est le fond en fait de votre map littéralement. Donc le fond de votre map qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le quand vous allez par exemple sur la Yoshi's Island dans New World, vous avez une énorme étendue d'eau en dessous de l'île. Et bien c'est ça votre fond. Même chose dans le monde de Bowser, donc la Koopa Planet si je dis pas de bêtises. Non Koopa Planet non parce que c'est le fond de l'espace pour la Koopa Planet. La Koopa Core voilà. Koopa Core, donc le noyau Koopa ou noyau Bowser si vous préférez, qui est simplement et qui utilise du coup le background de la lave. Donc quand vous cliquez dessus, on vous demande le fichier que vous voulez. Donc ça je vous expliquerai, enfin remarque, je vais vous expliquer maintenant. Donc slash map slash water.brres, si vous allez dans votre dossier map, vous remarquerez qu'il y a un lava.brres, enfin .brres pardon, et water, juste ici. Alors, ils sont compressés au format LH, donc je sais plus ce que ça veut dire d'ailleurs LH. Mais bref, c'est compressé au format LH pour que ça prenne moins de place. Je vais vous les décompresser juste après. Mais du coup,
quand vous avez fait votre fond customisé, vous mettez simplement le nom à la place là du water. On fera le fond customisé après. Donc du coup, Sencel en l'occurrence. Et ensuite le World Editor, ça c'est ce qui va vous permettre de définir les propriétés du monde dans lequel vous êtes. Ensuite dans Windows, vous avez Show Grid, donc c'est pour avoir un quadrillage pour les tiles. Donc je vais désactiver Zoom In pour zoomer devant vous. Zoom Out pour dézoomer. Actual Size pour avoir le le zoom de base en fait. Et ensuite Show with Zoom pour voir quoi ça merde hop pour voir en gros ce que ça donnerait enfin le zoom par rapport à la Wii quand, si on était sur la console pour avoir à peu près comment ce que ça fait pour vos maps. Donc ensuite vous avez la documentation de Coupe Atlas mais qui est extrêmement incomplète et le About qui en gros dit l'éditeur Coupe Atlas et l'éditeur pour les le système de carte du monde en deux dimensions qui est utilisé dans New World Super Mario Bros. Wii. Il doit être utilisé avec son son programme associé, on va dire, enfin bref, son compagnon, eux disent, bref, son frère, tiens, Coupe Puzzle, donc qui permettent de créer des tilesets compatibles avec Coupe Atlas. Coupe Atlas a été programmé par Treki et Tempus de la New World Team, et du coup, ils mettent le lien de leur site, même si de toute façon, sur leur site, du coup, vous avez la documentation qui est assez incomplète et pas du tout précise. Donc je vous après si vous voulez la suivre hein, écoutez allez-y mais bon puis en plus c'est en anglais donc pour nous les français c'est pas très utile mais voilà donc merci Treki, merci Tempus pour avoir fait ce superbe logiciel qui ne bug jamais ainsi que cette superbe World Map Engine comme il dit ce système de cartes du monde même si ça sonne extrêmement mauvais système de cartes du monde voilà donc on va pouvoir passer à la création. Alors, pour commencer, on va placer notre premier path. Ce premier path est ici très important, car notre map remplacera le monde 1, la Yoshi's Island, normalement. Et pourquoi est-il important? Eh bien, c'est parce que c'est l'endroit sur lequel vous spawnerez quand vous créerez un nouveau fichier, en fait. Donc, il est très important, mais souvenez-vous bien d'où vous le mettez, et puis du coup, vous amusez pas à créer un autre path là et à vous dire « Oh bah tiens, Mario spawnera là, parce que ça ne marchera pas, il spawnera sur le premier. » Donc, ensuite, on peut... ajouter plus de chemin, voilà, bon. On va faire ça assez vaguement, on va faire une assez petite map. Ouais, comme ça, ça m'a l'air à peu près droit. Oui, petite astuce que je dis souvent, pour savoir si votre chemin est droit, utilisez le petit truc de sélection, parce que lui, il est droit. Et par exemple, du coup, vous pouvez voir que ce chemin-là n'était pas extrêmement droit. Donc comme ça, vous regardez par rapport au truc, et du coup, là, c'est droit. Petite technique que j'utilise moi à chaque fois. Donc là, on a nos chemins. Donc les chemins ont des propriétés, hein, je vous expliquerai juste après. Mais d'abord on va s'attaquer aux deux choses principales, les doodads et les tilesets. Donc tout d'abord les tilesets, ah oui j'ai oublié de préciser quelque chose d'ailleurs, pour que ce soit pas trop le bordel, vous pouvez y renommer en double cliquant sur le nom. Là par exemple je vais appeler ça tileset couche 1. Pourquoi couche 1? Parce que des tilesets il en faut minimum 2 pour faire une map. Et d'ailleurs du coup je vais le faire ça maintenant. Je vais prendre donc à nouveau le Rising Sun et je vais taper tileset couche 2. Que donc je vais mettre au-dessus. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de deux couches? Eh bien, si vous avez regardé, donc oui, ce que j'avais dit tout à l'heure par rapport au groupe, là, qu'il y avait dans le fichier des trucs, justement, le groups.bin, là, il sert à définir les groupes de trucs, que j'avais dit que je expliquerai tout à l'heure. Donc, tout simplement, vous avez ça. Donc, par exemple, vous dites, ah bah tiens, je vais créer ma map. Ah bah tiens, maintenant, je vais ajouter de l'herbe, qui est juste ici. Vous allez vous dire, mais attends, comment je fais, là? Et justement, c'est pour ça, c'est tout est l'intérêt des couches. Comme ça, dans la couche du dessous, vous mettez le truc, et puis ça marche très bien. Du coup, on va rapidement faire une map. Alors, on va pas faire une map extrêmement de BG, super bien designée. Je vais juste faire un peu un peu comme ça, quoi. Histoire que ce soit potable. Mais je vais pas faire une map extrêmement détaillée non plus. Faut pas déconner. Donc voilà, vous voyez, il y a pas mal de groupes, de possibilités. Oui, c'est... Non, c'est un bloc d'en dessous et ça, comme ça. Hop, ça, comme ça. Et ça, comme ça. Voilà. Donc,
pour le bas. Ouais, je sais pas. Je peux quand même faire un truc comme ça, peut-être. Juste histoire de montrer. Hop. Ensuite, hop là, voilà. Et ensuite, sur la couche du dessous, on va mettre de l'herbe. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'herbe. Juste en dessous, comme ça. Avec ensuite des bords ronds. Alors, vous pouvez faire des bords comme vous voulez, hein. Bon, là, je fais juste des bords ronds de base. J'ai pas envie de m'embêter énormément. Hop. Et hop. Admettons que vous avez fait une erreur et hop là, mince, oh là là, je me suis trompé. Eh bien, cliquez dessus et faites supprimer. Même chose là, admettons ici, vous l'avez décalé un peu trop, bah, vous cliquez dessus, vous pouvez le bouger. Et si vous ne lui avez pas donné la bonne taille, vous mettez votre souris vers les bords et vous pouvez le bouger, enfin le changer de taille. Ça, c'est fait. Donc, on a à peu près la forme de notre app. Alors là, je vais sélectionner mes pages, je vais un peu mieux les centrer, je vais les mettre comme ça. Voilà. Maintenant, je vais importer un doodad. Donc, je vais cliquer sur ma couche doodad, je vais appeler ça doodads couche 1, même si je pourrais leur donner n'importe quel nom. Par exemple, si sur doodad je mets plein de maisons toad, je pourrais très bien l'appeler maison toad. Vous faites ce que vous voulez avec vos noms, c'est juste pour mieux vous organiser. Et en l'occurrence, je vais aller dans Atlas, all doodads, et logiquement, merde, non, 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 voilà. Et donc là, j'ai tous les doodads de base du jeu. Si vous voulez les exporter, simplement ouvrez les capi maps de base du jeu et puis faites export doodads. Hein. Et on va prendre, tiens, on va aller dans la Yoshi's Island et on va prendre une maison Toad, on va prendre la Challenge House. Voilà, donc j'ai ma Challenge House qui est importée. Maintenant, je peux faire un clic droit pour la placer. Admettons, je vais la redimensionner. Je fais comme ça. Je mets ma souris sur les bords et puis je le fais. Je vais la remettre comme ça, elle aura mon truc. Et si je dis pas de bêtises, il y a aussi moyen de la faire tourner. Oui. Si vous, en sélectionnant le bord là, vous appuyez sur Shift, vous maintenez Shift, vous cliquez et vous glissez. Simplement, vous pouvez la faire tourner. Donc, alors oui, là vous voyez par exemple où je place ma doodad, bah mince, elle est en dessous. Tout est l'intérêt des couches. Faites un petit move up pour la mettre par-dessus tout ce qu'il faut. Donc je vais la mettre ici. Maintenant, admettons, j'ai envie d'en mettre une autre là, mais qui ici est par-dessus les paths, donc qui sera devant Mario. Eh bien, comment faire? Et bah là, du coup, je peux pas trop parce que c'est sur la couche 1. Donc je vais rajouter une couche de doodad que je vais appeler doodad couche 2. Et du coup, que je vais mettre au-dessus de Path, parce que Path correspondra à la layer de Mario, la couche de Mario. Du coup, là, quand Mario passera de... Merde, votre niveau de batterie est faible sur mon PC. 2 secondes, je le branche. Et voilà. Donc du coup, quand Mario passera, il sera derrière cette maison. Logique, vu que cette maison est placée devant lui. Comme ça, c'est mieux. Si j'avais mis ma maison sur la couche... sur l'autre couche, là, sur la couche du dessous, et ben, ça aurait fait un truc complètement incohérent. Et donc voilà, là j'ai mon truc qui est à peu près fait. Donc pour ajouter plus de jolitude, on va dire, je vais ajouter une petite animation. Je vais pas faire ça sur la maison Toad, je vais faire ça sur un arbre. Parce que si vous vous souvenez bien, les arbres dans la Yoshi's Island, ils bougent. Hein. C'est pour donner un peu plus de dynamisme. Et aussi, même si un arbre en vain ça bouge pas, hein, c'est quand même vachement plus joli comme ça. Ça n'a pas l'impression que c'est un monde mort comme ça. Donc on va le... de rookies sont les petits nanarbres, ils sont, on va même pas, on va prendre un palmier, tiens, hop, voilà, j'ai mon palmier et je veux que mon palmier il bouge un petit peu, quoi. Enfin, vous comprenez, un peu comme dans la Yoshi's Island. Comment faire? Et bien, tout simplement, je vais le sélectionner déjà, ça c'est très important, et en bas je vais cliquer sur plus qui permet d'ajouter une instance d'animation, un effet d'animation, quoi. Vous pouvez en mettre plusieurs. Vous avez donc 8 petits trucs à remplir. Tout d'abord, le looping. Alors, looping qui ne veut pas dire un looping genre dans vos montagnes russes ou faire un looping, non. Looping qui veut dire en fait une boucle. Donc, comment est-ce que vous voulez que ça boucle? Donc, vous avez le contiguous. Donc, ça veut dire en gros que votre... Putain, j'arrive pas à parler. Ça veut dire en gros que votre truc, il va faire en fait... Il va faire son animation constamment. C'est-à-dire que si vous lui dites d'aller par exemple vers le bas, il va constamment aller vers le bas. Par contre, si vous mettez un loop, ça veut dire qu'il va aller en bas d'une certaine position, la position que vous aurez définie,
et ensuite il va revenir à son point de départ, tout, il va, enfin, même, il va pas revenir, pardon, il va se téléporter à son point de départ, on va dire, pour que ce soit plus simple. Il va revenir quand, en gros, il va faire hop, et hop, il est à nouveau là, en une frame. Donc il fait pas ça, hein, non. S'il arrive, il descend, et puis hop, il y est direct. Donc, ça, c'est le loop. Alors, si dans le cas où vous avez demandé, vous lui avez fait descendre, hein, sinon, non. Et le reversible loop, justement, qui est ce qu'on va utiliser, ce que beaucoup de gens utilisent, par exemple, vous lui dites d'aller vers le bas. Et ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va revenir en arrière et il va recontinuer. Il va faire ça à l'infini. Donc, nous, on va utiliser le reversible loop parce que c'est clairement mieux. Ensuite, vous avez le linéaire. Donc, le linéaire, en gros, ça veut dire que si vous lui dites d'aller vers le bas, il va y aller et il va directement s'arrêter. C'est-à-dire qu'il va pas faire de, il va pas ralentir progressivement. Alors que, j'ai reçu une message Discord, sinusoïdal et cosinusoïdal, eux, en fait, ça va faire il va s'arrêter progressivement et il va remonter, il s'arrête et il redescend. Dans le cas où c'est réversible, bien sûr. Donc nous, on va laisser en linéaire, nous, pour ce qu'on va faire. Ensuite, vous avez frameline. C'est combien de frames est-ce que votre truc va mettre de temps à se faire? Par exemple, si vous voulez qu'en 60 frames, donc c'est-à-dire une seconde, vu que le jeu tourne à 60 FPS, et ben il aille de là à là, et bien si vous mettez 60 là, et du coup en une seconde il sera de là à là. Alors, en sachant que le jeu de base tourne à 60 FPS, sauf la version PAL qui est à 50, si je dis pas de bêtises, donc bon, voilà, petit détail. Donc nous on va faire, allez, on va dire bah, 60, tiens. Ensuite le type, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez que votre animation affecte. C'est pour ça qu'on peut en mettre plusieurs. Donc tout d'abord, la position en X. La position. Alors pour ceux qui ne savent pas déjà les repères quand on parle en dimension, X c'est l'horizontale, Y c'est la verticale, et Z, qui là du coup n'est pas le cas vu que c'est en 2D notre map, Z qui est la profondeur. Mais vous pouvez faire un effet de profondeur après avec le scale, hein, mais bon. Mais là du coup on s'en fout. Donc X position, donc ça modifiera la position horizontale, Y position la position verticale, l'angle la rotation, X scale la taille en X, enfin en horizontale quoi, Y scale la taille en verticale, donc du coup la X scale c'est la taille comme ça, Y scale c'est la taille comme ça, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Et opacity c'est l'opacité, donc l'opacité c'est-à-dire à quel point est-ce qu'on le voit en fait. Donc en gros, l'opacité de base est à 100, donc c'est en pourcentage l'opacité. L'opacité de base est à 100, c'est-à-dire il est full, on le voit complètement. Si elle est à 0, l'image sera complètement transparente. Et du coup, par exemple, vous mettez à 50, elle sera à moitié transparente. Donc ce qu'on va modifier, c'est la Y scale, la Y scale si vous préférez. Parce que bon, Y scale, ça n'a pas trop de sens, c'est comme dire number 13, quoi, c'est pas très très beau. Et donc ensuite, start value, c'est à quelle valeur il commence. Donc sa taille quoi, logique. Donc c'est en pourcentage, si je dis pas de bêtises, même pour ça. Oui, je réfléchis quand même pour être sûr. Normalement c'est ça, oui. Donc nous il va commencer à 100, si je dis pas de bêtises. Je suis plus sûr là pour le coup, pour les scales, si c'est en pourcentage ou pas. Il va dire qu'il va passer à 110. Ensuite, donc end value, c'est la valeur de fin, à la fin des 60 frames en l'occurrence. Ensuite, delay offset, c'est combien de temps. Ben, delay, c'est combien de temps pour le temps que l'animation. Enfin, avant que l'animation. Entre le moment où ça, il apparaît et le lancement de l'animation. Et delay offset, c'est le délai entre chaque loop. Entre chaque boucle, si vous préférez. Donc là, on va mettre ça comme ça. On va faire un test en cliquant juste ici. Alors, déjà, désélectionnez-le. Moi, c'est ce que le truc est un peu buggé. Hein. Des fois, il faut le sélectionner, le désélectionner, c'est bizarre. Voilà, donc c'est bien en pourcent. Donc il passe de 100% et vous voyez, il bouge comme ça. Et c'est ce que vous voyez très souvent dans les maps du jeu. C'est simplement les arbres ou la déco qui augmente un peu en Y scale et qui ensuite redescend. Donc je vais le laisser comme ça. Hop. On a notre doodad de près. Ensuite, les paths. Donc maintenant que les doodads c'est fini, on passe aux paths. Hein. Donc, alors oui, par contre, du coup, je vais quand même un peu mieux préciser. Ici, du coup, vous voyez bien que quand il arrive à la end value, il refait le truc à l'envers, vu qu'on a mis reversible loop, et puis qu'il le fait pas, il s'arrête pas progressivement, il ralentit pas en vitesse l'animation, vu que c'est un linear. Donc, merde, j'ai bien. Oui, c'est bon. Faites gaffe, hein, des fois, les animations se suppriment tout seul ou se remplacent par d'autres. Hein. Ce logiciel n'est pas extrêmement au point, mais bon. Donc maintenant, les paths.
Donc votre path, vous avez donc les nodes et les chemins de base, donc les paths. Donc on va dire, la couche s'appelle path, mais en vrai ce sera plutôt path and nodes. Mais bon, on va laisser path. Donc votre couche de chemin, vous pouvez donc déjà les nodes changer leur type. Vous avez une petite flèche ici quand vous cliquez sur une node. Et en fait, ça vous permet de changer qu'est-ce que c'est comme node. Donc on a la node de niveau, donc vous mettez ici le monde et ici le niveau. On a la node de changement de map qui va nous permettre du coup de passer d'une map à l'autre. On a la node pardon, de changement de monde qui va nous permettre de dire voilà, si on n'est plus dans ce monde-là, du coup en bas vous ne mettez plus le même nom de monde. Et la note de base, c'est-à-dire une note sur laquelle Mario sera comme ça. Donc où il n'y aura rien en fait. Donc c'est la note première note. Donc, ou dernière nouvelle sur les Yoshi's Island ou n'importe quelle autre map, Mario ne spawn pas sur un niveau. Mario spawn sur. Je vais retrouver la doudade, tiens. Add. Koopatlas. All doudades, c'est dans la Yoshi's Island. Normalement, si vous avez joué au jeu, voilà, vous savez que. C'est ça sur lequel Mario spawn. Bon, je vais le mettre là, même s'il est quand même vachement gros par rapport au truc de base. Je vais le réduire un petit peu. Ouais, comme ça, on va dire. Bon, c'est pas extrêmement bien fait, hein, mais on va dire que ça passe. Ensuite, on va dire que ici, hop, il y a un niveau. Donc, du coup, on va dire que c'est le 1-1, logique. Qu'ensuite, il y aura le 1-2. Et ensuite, ce sera un changement de map, tiens. Et puis justement, je vous montrerai le changement de map juste après. Donc, ça c'est pour les nodes. Donc ça va, les nodes n'ont pas énormément de propriétés. Donc pour le changement de map, justement, je vous montrerai après, vu qu'il a quand même des propriétés, logique. Et alors oui, par contre, du coup, pour le changement de map, il faudra que je rajoute après des petites nodes pour le changement de monde. Mais je vous montrerai ça après. Les chemins, eux, ont deux types de propriétés. Tout d'abord, les options. Qui vous permettent donc des fois par exemple là que vous voyez je clique dessus sur option ça ne fait rien je reclique ça ne fait rien et il faut cliquer une troisième fois pour que ça apparaisse me demandez pas pourquoi donc vous avez plusieurs options donc en fait ici vous avez les animations de Mario quand il sera dans le sur le chemin donc par défaut il marche vous avez aussi marcher sur du sable marcher sur de la neige marcher dans de l'eau c'est le nom du moins du truc. Mais s'il n'y a pas d'image, c'est que ça doit être vachement buggé et que c'était un truc de test et qu'au final c'est pas dit, donc ne l'utilisez pas. Il peut sauter. Sauter depuis du sable. Sauter depuis de la neige. Sauter depuis de l'eau. Alors ça, il est utilisable. Enfin, il est utilisé. Simplement, quand Mario est dans l'eau, il saute de l'eau pour aller sur le truc suivant, quoi. Donc celui-là est utilisable, mais bon, il n'a pas d'image. Grimper sur une échelle. Ou sur un mur, hein, ou ce que vous voulez. Enfin, du moins grimper. Grimper sur une échelle ou sur un mur, mais à gauche. Grimper sur une échelle ou un mur ou une corde ou je sais pas quoi, enfin ce que vous voulez du moins, à droite. Tomber, pardon. J'ai failli dire sauter, mais non. Tomber. Nager. Courir. Entrer dans un tuyau. Et sortir ou entrer d'une porte. Mais vu l'animation, on dirait bien que sortir, mais ce n'est utilisé nulle part. Donc à tous les coups, ça ne marche pas. Retenez bien que ce qui est utilisé nulle part peut très bien ne pas marcher. Ensuite, donc là, pour que ce soit comme s'il entre dans une cave, ici, saut, réserve 18, je ne sais pas ce que c'est, invisible, il est invisible. Bref, des trucs, encore une fois, Hunter Cave Up, il est utilisé, mais des trucs qui ne servent pas. Qui ne servent pas, même le Invisible, ça m'étonnerait fortement qu'ils servent. Donc bon. Nous, il marche sur une surface normale, donc on va le laisser comme ça. Même chose pour du coup cela qu'on va laisser une option normale. Vous pouvez aussi modifier la vitesse ici. Donc 1, c'est par défaut. Vous pouvez le faire aller deux fois plus vite en mettant 2, 10 fois plus vite en mettant 10. Faites attention cependant, si vous mettez une vitesse trop haute, quand il arrivera sur un autre chemin avec une vitesse différente, il pourra très bien se décaler Mario et ça fera de la merde. Donc faites gaffe. Mais il y a une autre propriété et ça. C'est doit être la propriété qui m'a fait le plus rager parce qu'au départ je ne comprenais pas qu'à l'époque où il n'y avait pas de tuto, il y avait juste la documentation et de la New Artie, mais j'étais de base très mauvais en anglais et en plus j'y comprenais rien. J'ai dû regarder un tuto en allemand et utiliser Google Traduction pour comprendre ce qu'il fallait faire ici. C'est comment définir bah, quand est-ce qu'un chemin se débloque. Et pour ça, faut le sélectionner, vous faites CTRL-clic gauche. Bonne chance pour deviner ça tout seul. Donc, vous pouvez entrer simplement des unlock criterias, donc des critères de déblocage, en fait, on va dire.
Donc, ce chemin-là, on ne va pas y toucher, étant donné que c'est le chemin de base pour accéder au premier niveau. Donc, bon, on va pas dire par exemple qu'il faut avoir fini premier niveau pour le débloquer, vu qu'on n'y a pas encore accès. Par contre, ce chemin ici, du 1-1 au 1-2, vous allez faire contrôle, clic gauche dessus. Et qu'est-ce que vous voulez du coup pour que le 1-2 soit débloqué? Moi, je veux, donc du coup, vous avez une petite explication ici. Si vous voulez que ce soit en terminant un niveau, vous mettez simplement le nom de fichier du niveau. Donc là, en l'occurrence, 0101, c'est pour le 1-1. Donc vous le mettez. Alors vous ne mettez pas de point arc, hein, ça non, surtout pas. Il vous dira en bas si votre input est valide, donc si votre texte est valide, ou s'il ne l'est pas. Si je mets arc, il me dit c'est pas bien. Donc si vous voulez que ce soit par contre en ayant la sortie secrète du 1, vous allez rajouter cyclette, tout simplement. Si après vous pouvez faire, comme vous voyez ici, des critères de déblocage, on va dire déblocage, même si je crois pas que ce soit français déblocage, des critères de déblocage combinés. Par exemple, vous voulez que ce soit et en ayant fait la sortie secrète du 1-1 et en ayant fini la sortie normale du 1-2. Bien, comme l'exemple dit, 0-1-0-1 secret. End pour qui veut dire et. Alors là, vous voyez, il me dit et quoi? Vu que j'ai pas encore spécifié le truc. Et 0102. Donc là, ce sera pour dire. Merde, par contre, du coup, il faut que je mette ça entre parenthèses. C'est un peu comme des maths en fait. Considère le n comme un plus. Et que du coup, enfin, voilà quoi. Du coup, si la sortie secrète du 1-1 est terminée et que la sortie normale du 1-2 est terminée, alors ce chemin sera débloqué. Et après, vous voyez, vous pouvez faire des combines de trucs. J'ai vraiment dit deux trucs. Par exemple, là, je vais reprendre l'exemple du truc, je vais le recopier, je vais vous expliquer ce qu'il fait. Or, 01-02 end 01-04. Hop, voilà. Donc c'est celle-là qui ont mis. Donc ça, en gros, ça veut dire que le chemin sera débloqué si on a fini le 1-4 et qu'on a fini soit le 1-2 ou soit le 0-1 secret, donc la sortie secrète du 0-1-0-1, du 1-1 quoi. Vous voyez, vous pouvez faire des combinaisons énormes si vous voulez, mais on s'en fout. Donc voilà. Donc le OR qui sert à dire OU. Donc par exemple, si vous voulez que ce soit qu'il soit débloqué soit quand vous avez fini le 1-1 ou soit le 1-2, bah vous mettrez 0-1-0-1. Or 01-02. Voilà. Merde, j'ai mis une parenthèse ici. Voilà. Alors n'oubliez pas, si vous mettez 01-01 or 01-02, il vous dira c'est pas bien, il faut que vous mettez entre parenthèses. Si vous utilisez or et end, il faut que vous mettez vos critères entre parenthèses. Donc là, en l'occurrence, on veut que ce soit que si que ici soit débloqué si on définit le 1-1. Et ici que ce soit débloqué si on définit le 1-2. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et bon sang que c'était long. Donc ça, c'est pour une création de map de base. Avant d'enchaîner sur la création le link en fait entre d'autres maps, le nom de monde, etc., je vais vous parler des tilesets de map. En effet, parce que sans un tileset de map, vous ne pouvez pas vraiment build votre map. Donc là, vous allez me dire, mais attends, on a déjà parlé ici et tout. Mais du coup, là, je vais vous apprendre comment faire un tileset customisé. Parce que si vous utilisez que ceux du jeu de base, bah bon sang, vous allez être limité. Donc tout d'abord, vous allez aller donc dans Coup Puzzle. Même chose, lien dans la description. Vous allez double-cliquer dessus. Et vous allez faire File, Open. Et vous allez prendre vous allez sélectionner le tileset que vous allez utiliser comme template. Donc ceux qui sont, merde, ceux qui sont celui qui est, putain, mais j'en ai marre des notifs Discord, là, fait chier. Ceux qui sont du coup tout le temps utilisés, c'est Rising Sun et Forest. Donc Forest, c'est simplement le truc d'herbe de base, de forêt littéralement. Et Rising Sun, du coup, moi, perso, que je trouve plus joli. Donc je vais utiliser, tiens, même si après ça change rien, hein, franchement, on s'en fout. Vous allez faire un petit file, Export Image. Et vous mettez ça où vous voulez. Moi, pour me retrouver mieux, je vais le mettre dans le dossier du tileset template, lien dans la description également. Donc, je vais l'appeler ça template. Maintenant, je vais faire à nouveau un file open. Et dans mon coup atlas tileset, je vais le faire directement ici. Mon Rising Sun, je vais le dupliquer quand même. Et je vais le renommer par exemple en. Bah, tiens.
Toy Town, vous comprendrez après, à moins qu'il y soit déjà. Non, c'est bon. Vous comprendrez après justement pourquoi Toy Town. Ouvrir. Et du coup, comme ça, j'importerai ma nouvelle image après directement dedans. Et l'avantage d'utiliser un tileset déjà fait, c'est comme ça, les groupes, ils sont déjà faits, vous n'avez pas besoin de vous emmerder. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le tileset template. Enfin, déjà, je vais ouvrir Photoshop. Oui, en mode admin. Je comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'il a besoin du mode admin Photoshop. Je comprends toujours pas ça. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, le tileset, j'avais déjà fait ce que le tuto, j'avais déjà record de base. Mais disons que j'ai eu un petit problème. Du coup, au final, je vais le re-record là maintenant. Donc là, on a notre template.png qui est juste ici. Alors, il sert pas à grand chose en limite, hein, mais bon. On va donc avec Photoshop qui s'ouvre et qui met 3 heures. Voilà, c'est bien. On va faire fichier, ouvrir. Alors non, je ne veux pas les modèles 3D d'Inkling, mon gars. Pas besoin. Clippy tuto, tileset template. Et on va ouvrir le PSD juste ici. On fait ouvrir. On s'en fout. On s'en fout des polices d'écriture. Les marques Photoshop m'emmerdent à chaque fois avec ça. Donc, on a tout qui est bon. Alors oui, bon, ça charge, ça met 3 heures. Alors, avant que je me gourde de trucs. Script, yes, voilà. Comme ça, mon script est déjà ouvert en haut et du coup, je pourrais le faire directement. Donc, vous pouvez voir que vous avez ici plein de trucs. Donc, oui, du coup, oui, pour quand vous avez installé script, faites fenêtre script et vous pour que le truc soit coché, ou Alt F9 et ça vous l'ouvrira ici. Et vous déroulez le dossier ici. Et après, vous cliquez sur Make All et puis je vous montrerai. Donc, ici, vous avez le dossier instruction qu'on va virer. Pourquoi ? Parce que sinon, eh ben, c'est pas beau et ça va nous embêter. Même chose pour marqueur, virez-le, parce que ça va vous embêter. Vous avez ensuite trois caltérines top, center, et ben, vous pouvez les fusionner. Moi, ce que je fais chaque fois, ça m'évite de m'embêter. Vous faites clic droit, fusionner avec le calque inférieur. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Photoshop, moi-même, je n'en ai pas l'habitude d'ailleurs. Donc bon. Ça, c'est quelque chose aussi qui me saoule dans Photoshop. Contrôle molette, ça vous connaissez pas, non, vous mettez un outil loop. Enfin, franchement. Bref. Donc je vais sélectionner ça, je vais faire un petit CTRL-C. Ensuite vous l'ouvrez dans l'outil d'image que vous voulez, même Photoshop directement hein, si vous voulez. Hein. Bon, moi dans mon canon. Et je vais, si j'y arrive, oui, il est là, voilà. Donc ça c'est un tileset Toy Town qui reprend, enfin qui reprend le principe de la Toy Town Galaxy de Mario Galaxy 2. Donc je vais reprendre ça comme principe de base. Et du coup, vous avez des tailles, donc encore une fois en 24x24, tout est en 24x24, j'ai l'impression dans ce jeu. Donc vous avez la première couche du haut, donc qui va juste aller à 24, donc jusqu'à là. Donc tout ça, c'est le bloc du haut. Ensuite, vous avez une couche de 48 ici, donc avec deux couches de... deux couches de... d'entre deux en fait, et après ensuite une couche de bas juste ici. Donc nous on va prendre ce bois là, tiens, ouais il est pas mal. Hop, alors je vous le dis tout de suite, mon tileset ne sera pas beau, hein. Il n'est pas là pour être beau mon tileset. Ouais en plus ça se loupe bien, c'est cool ça. Ah ouais par contre d'un autre côté ce sera pas ouf. Parce que... Ouais... Ouais, si, ce sera pas extrêmement beau, mais... Mais voilà, je vais faire comme ça. Assurez-vous bien du coup que votre truc est ce qu'on dit dans le jargon, loopable, c'est-à-dire qu'on peut faire une boucle avec. Donc, bon. Étant donné que... Enfin, pour donner un peu plus de style au truc, je vais faire simplement un haut et un bas. Donc... En me basant là-dessus. Et ah. C'est comme ça. Donc je fasse une série de voilà. Et donc vers le bas. Voilà. Comme ça, c'est bien. 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 Maintenant, dans Photoshop, je vais faire un petit CTRL-V pour remplacer du coup cette partie.
Et maintenant, j'ai encore fait contrôle clic mode alors que non, ça n'existe pas dans Photoshop. C'est vrai que c'est compliqué. Bande de. Bref. Du coup, je vais cliquer maintenant en haut sur mon script sur Make All et je vais cliquer sur le petit triangle ici. Là, vous allez voir la magie opérée après 3 heures, hein, bien sûr, qui va donc créer nos tilesets pour nous. Alors là, comme ça n'apparaît pas. Hein. Mais c'est normal, c'est parce que tout apparaîtra quand le script aura fini son exécution. Pouf. Et voilà, vous avez votre tileset qui est prêt. Maintenant que vous avez votre magnifique tileset de prêt, vous remarquez qu'il reste l'herbe. Donc, comment modifier l'herbe de manière jolie et optimisée? Cliquez ici sur le deuxième carré, parce que vous voyez ici, là, sur le chemin, du coup, le chemin, bien sûr, le chemin. Sur la couche de l'herbe ici, vous cliquez sur le deuxième carré et faites désactiver le masque vectoriel. Vous me dire, bah attends, là, ça fait foutu plein d'herbe partout. C'est normal, vous verrez après. Donc, sélectionnez là, faites un petit CTRL-C, ouvrez là où vous voulez. Moi, je vais la foutre là. Et ensuite, il vous faudra du coup une texture, la texture qui vous servira d'herbe. Donc là, en l'occurrence, bon, je prends du bois, je prends, tiens, ça. Et voilà. Donc, maintenant qu'on a notre belle étendue de bois, alors je vous préviens, mon truc ce sera très moche, hein, mais c'est parce que j'ai pas de tileset, d'autres tileset sous la main. Je vais retourner en Photoshop et je vais faire un petit CTRL V. Et ensuite, du coup, vous allez voir que ça me crée un autre calque. Faites tout simplement clic droit. Et il est où? Pardon. Déjà désélectionner le truc, ce serait peut-être pas mal. Clic droit. Fusionner avec le calque inférieur. Et voilà, et du coup, ça le fusionne. Et ensuite, ici, vous refaites un clic droit, activez le masque vectoriel. Et paf! Vous avez vos formes qui sont déjà toutes faites, qui sont assez jolies en plus, avec les effets, merde, avec les effets d'ombre et tout. Mais j'ai cliqué sur la truc plus. Voilà. Mais ah! C'est insupportable, je déteste ce logiciel. Donc vous voyez, vous avez bien votre truc qui est joli. Maintenant que votre image est faite, vous faites fichier, enregistrer sous, au format PNG. Et du coup, je vais remplacer mon template qui était juste ici. Je vais faire un petit enregistrer, faire un petit OK. Et je vais faire OK. Maintenant que notre tileset est fait, on peut le visualiser très facilement en du coup allant sur notre template de tout à l'heure. Et vous voyez, on a notre superbe tileset. Non, il est très moche. Mais bon, j'avais pas d'autre chose. On a notre superbe tileset avec notre superbe truc. Donc là, en l'occurrence, au lieu de l'herbe et de la terre, j'ai mis du bois. Mais bon, faites ce que vous voulez. Hein. Voilà, moi je fais ça comme ça. Ensuite, on va retourner donc dans Puzzle, on va faire File, Import Image, et on va importer notre template. Hop! Et du coup, en tant que toyton.arc, on fait File, Save. Et voilà. Par contre, alors là, vous allez me dire, attends, il reste l'herbe, mais juste cliquer dessus et puis ça y rafraîchira, mais on s'en fout. On va aller dans Coupe Atlas, et admettons, je vais utiliser mon nouveau tileset. Je vais faire plus. Du coup, je cherche Toy Town. Alors, j'ai bien déjà Toy, mais justement, c'est un test que j'ai fait avant. J'ai pas le Toy Town. Et bah, comment, qu'est-ce qu'il faut que je fais? Bon, en fait, pour démarrer Coupe Atlas. Du coup, vous allez me dire, ma mince, je vais perdre ma map, du coup. Eh bien, non. Parce que vous avez juste à faire File. Save as ou file save, vu que là il n'est pas déjà été sauvegardé quelque part, ou alors CTRL S ou CTRL SHIFT S. Et dans le map, je vais l'appeler tuto. Enregistrer. Maintenant, je peux redémarrer Coupe Atlas sans aucune difficulté. Hop, hop là. Je vais le mettre en plein écran, enfin en écran non réduit, on va dire. Je vais faire un petit file, un petit open et je vais pouvoir sélectionner mon tuto juste ici. En espérant que je l'ai bien sauvegardé parce que je l'ai fermé assez vite Coupe Atlas, donc j'espère qu'il ne m'a pas tout cassé. Yes, c'est bon. Et du coup maintenant, je peux ajouter un nouveau tileset avec mon Toy Town. Donc que je vais astucieusement appeler Toy Town 1. J'ai la flemme d'écrire couche. Et puis je vais en mettre un autre pour faire
une couche de Toy Town 2. Voilà. Donc sur le 1, je vais pouvoir mettre mes magnifiques textures de bois. Je vais faire une petite plateforme rapide. Hop. Hop. Merde. Hop. Voilà. Alors, en l'occurrence, c'est à cause de ma texture de bois qui n'est pas ouf. Du coup, ça fait un truc pas très beau là, ici, là où il y a ma souris. Mais c'est parce que j'ai pris un tel set pas ouf déjà de base pour faire ce genre de truc de map. Mais si je l'avais étendu un peu plus, hein, voilà, comme ça, vous voyez, ça aurait été plus beau. Là, juste à faire ça, et normalement, ce sera mieux. Ah, remarque, quoique. Ouais, si, c'est bon. Je m'y attendais pas, honnêtement. Je m'attendais à ce que ça recause un problème. Voilà. Et du coup, sur la couche 2, je vais pouvoir mettre mon autre type de bois. Bon, là, du coup, c'est vraiment moche, hein, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Hop. Merde. Quel poulet. Hop. Et hop. Hop. Et là, vous allez me dire, bah attends, là, du coup, c'est pas beau. Et bah oui, parce qu'encore une fois, mon tileset est absolument pas fait pour ça. Donc, ça fait un truc pas ouf de base. Ce qui n'est pas malin de ma part. Ce qui est même très con de ma part. Donc, simplement bouger-le un petit peu et puis essayer de faire en sorte que ça passe un peu mieux. Mais là, disons que c'est peine perdue étant donné que je suis vraiment con. Mais bon, là, on va dire que ça passe. Donc maintenant que votre superbe map est faite, Enfin, d'ailleurs, même, je vais ajouter un petit path ici. Alors, oui, il vous redemande quand vous redémarrez quel truc vous voulez. Donc, bon, comme ça. Ah, aussi, j'ai oublié de préciser. J'ai oublié de vous montrer pour mettre les textures sur les chemins. Je vais vous montrer ça juste après. Et du coup, je vais faire ça comme ça. Avec ici où Mario va sauter. Alors oubliez pas, hein, ici 01-0 putain de bordel. Ah bah c'est bon, je l'avais bien mis. J'ai cru que je l'avais mal mis. Hop, hop, et voilà. Donc on a un truc, et du coup ici par exemple, je vais mettre au plein milieu le 1-3. Tiens, hop. Voilà, voilà, alors ça c'est fait, donc j'ai fait CTRL-S pour sauvegarder. Vous pouvez faire file save, mais CTRL-S est plus rapide. Alors, une dernière chose, étant donné que mon tileset, je veux qu'il soit dans mon jeu, je vais devoir aller dans mon dossier tileset, prendre mon Toytown ici, l'ouvrir avec Brawl Crate ou Brawl Box, exporter le point bin juste ici. Merde, je ne voulais pas ouvrir Photoshop, je vais retourner là. Donc, je vais le mettre purée, non mais franchement, dans ce petit dossier qui sera aussi en description, qui permet de compresser, décompresser au format LH. Donc il faut bien que je le copie le nom du tileset. Alors là par exemple, là du coup vous voyez j'ai mis un T majuscule en trop. Il faut bien que ce soit comme le nom du tileset et point bin. Du coup j'enregistre et je peux fermer ça et du coup je vais lancer mon compress qui va le compresser, bravo. Donc je vais pouvoir le CTRL X et les mettre dans le dossier tileset, non, dans le dossier texture de mon dossier maps de mon jeu. Comme ça, quand ma map sera exportée, il sera là. Alors quelque chose de très important, la compression au format LH n'est pas obligatoire du tout pour les maps, les niveaux, les tilesets de niveaux, etc. Pour rien, elle n'est obligatoire sauf les tilesets de map. Si votre tileset de map n'est pas compressé au format LH, ça ne marchera pas, il se sera tout cassé, votre machin il sera moche, donc pensez bien à le compresser. Donc maintenant que tout ça c'est fait, je vais vous expliquer comment on fait pour les textures de path. Alors là, hop, il m'a un peu décalé le truc. Pour les textures de path. Donc, comment, alors vous remarquerez que si je clique sur le chemin là, il ne me propose pas les textures. C'est normal, il faut le sélectionner dans la hiérarchie juste ici. Donc vous voyez qu'il s'affiche en rouge. Rouge, attention. Donc, on va pouvoir placer nos chemins. Alors, sachez que justement, cette texture de chemin s'appliquera que si le chemin est débloqué. C'est pour ça, justement, comme ça que le jeu fait pour
afficher quel pour dire ouais, qu'est-ce que j'affiche comme texture quand t'es à tel truc. Alors là, du coup, on ne verra plus le petit truc avec la flèche. Faudrait que je le replace sur la couche 2, mais c'est pas très grave. Vous voyez que je place ça comme ça, avec ici le chemin. Il est où? Il est là. Comme ça. Je l'ai. Merde. Vous voyez, des fois, ça veut pas bien se caser. Du coup, dans ce cas-là, faut bouger la node. Alors non, du coup, merde. En plus, je viens de faire une énorme erreur. Ici, il faut pas que je mette ça. Parce que quand le chemin suivant n'est pas débloqué, il ressemble pas à ça, mon chemin. Il ressemble plus à ça. Donc, faut mettre ça. Par contre, sur le chemin d'après, il faut mettre du coup celui-là, parce que quand le chemin d'après sera débloqué, ça ressemblera à ça. Donc d'ailleurs, du coup, si je... Merde, comment je peux faire pour vous montrer ça? Si j'enlève ça... Je sais pas si ça se voit, mais en gros, le truc est par-dessus. Enfin bref, du coup, c'est pas beau. Du coup, dans ce cas, simplement, vous pouvez le bouger en le cliquant, glissant, comme ça. Donc bon, voilà, petit truc et astuce. Je vais le remettre où c'était. Remarque, c'est pas très grave vu que là ça se voit pas avec ce tel set là. Et du coup, je vais ajouter ça. Ah, j'ai de la chance cette fois, ça a bien correspondu. Enfin, ça. Non. Bref, c'était bien. Et ensuite, ici, quand ce chemin est débloqué, il faut que ça affiche. Ça, alors, comme ça, avec vers le bas, hop, je vais faire ça comme ça, tiens, avec du coup ici un truc de chemin qui s'en va, et quand celui-ci est débloqué, ça fait ça. Avec une petite texture de chemin qui se merde. Enfin, pas un chemin qui se merde, hein, un chemin qui se barre. Et ensuite, donc pour le truc de jump, on s'en fout, hein. Ici, un jump, un truc qui apparaît. Et hop. Alors oui, c'est pas très très beau, hein, avec le DLC de World 8, mais moi j'aime bien. Ah, moi j'aime bien. Donc, hop là, voilà. Parfait. Donc ça, c'est fait. Vous pouvez également faire en sorte relier des doodads. Donc vous voyez en bas, vous avez le truc des doodads. Donc si je veux que quand ce chemin-là soit débloqué, ça fasse apparaître ça, bah, je le place et puis voilà, ça le fera. Du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a notre petite doodad ici que je vais replacer sur la couche 0, donc au-dessus des pattes. Je vais mettre ça comme ça, là c'est bien moche. Hop, voilà. Ça c'est fait. Donc bon. Voilà, ça c'est fait. Alors là, du coup, quelque chose que vous remarquerez si là par exemple vous avez fait cette map là et que vous la testez, c'est que là, admettons, ma souris c'est Mario. Mario il est là, il veut descendre, il descend. Et à partir de là, du coup, il va changer de map et il va s'arrêter. Il va marcher dans le vide. Comment remédier à ça? Simplement ajouter un chemin en dessous. C'est tout con. Je vais pas lui mettre d'unlock criteria vu que de toute façon il faut que celui-là soit débloqué. Parfait. Donc maintenant, on va pouvoir voir le changement de map. On va faire un petit contrôle S. Donc le changement de map, quelque chose qui m'a beaucoup saoulé à l'époque. Le changement de map, on va ouvrir donc dans notre dossier map le list.txt avec notepad++. À quoi sert le list.txt? Il sert à repérer les entrées, entries en anglais. De maps en fait qui vont du coup pouvoir s'échanger entre elles. Donc en sachant que la map aussi qui est en toute première position ne sert pas que d'entry pour les nodes, elle sert aussi de map de premier de là où vous spawnerez quand vous créerez un nouveau fichier. Par défaut la Yoshi's Island, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas dans le code, c'est ici. Donc nous notre map on va l'appeler notre map la toute première map s'appellera tuto. Et la deuxième notre deuxième map dans laquelle on pourra se téléporter, s'appellera truc, parce que je l'ai décidé. Je vais fermer mon volet et allumer la lumière.
Donc, vous avez d'autres maps. Bon, là, en l'occurrence, je n'ai pas y touché, mais je pourrais très bien le supprimer ou en ajouter d'autres. N'oubliez pas de sauvegarder. Hein. Je vais faire un petit CTRL-S, moi, pour sauvegarder. Donc, ensuite, ici, là, ma fenêtre de coupe atlas, je vais la prendre et je fais hop, comme ça. Alors là, non, ça marche pas parce que j'ai deux écrans. Comment on fait? Merde, oula. Comment on fait quand on n'a pas deux écrans, quand on a deux écrans pour le faire? Parce que je voulais faire hop comme ça là, mais sur le côté. Mais du coup, je fais comment? Parce que quand je glisse ma souris là-bas, ça fait mettre ma fenêtre sur l'autre écran. Alors attends, comment que c'est qu'il faut que je peux faire? Non, je peux pas. Merde, je vais faire un scénario. Hop, voilà. Et je vais ouvrir un deuxième palace. Je vais remplir. Hop, ça marche. Et après, hop, ça marche. Plus du coup. Voilà, c'est parfait. Donc on a une autre map ici. Alors on va faire un truc très simple, on va faire, on va ajouter le TSET Beach. Ah non, c'est pas grave, non, je suis sûr, je suis sûr, c'est celui-là, oui, c'est une mini-plage, je vais prendre juste en montée. Ouais, comme ça, il me faut aussi, ça c'est lequel, là, c'est pas le, si c'est sûr, attends, non, c'est pas ça, non, c'est sûr, elle a bien fait compliqué, hop, et on va faire, écoutez, est-ce que ça, non, attends, c'est quoi, ah, c'est ça, c'est vrai, là, je pense que c'est vrai, c'est même, je vais prendre tout de suite. Et voilà, on a notre bébé plage. Et je vais vous faire pour notre sortie une petite animation de tuyaux. Parce que j'aime bien les tuyaux. Donc pour ça, on va devoir ajouter deux nouvelles Luda de layer. Qu'on va appeler tuyau 1 et tuyau 2. Une qu'on va mettre au-dessus des paths et une qu'on va mettre au-dessus du tel. C'est juste appelé ici beach. Tiens, hop. Et pas beach comme ça, hein, c'est beach comme ça. Donc ici on va faire add. Non, c'est donc le reste, excusez-moi. Est-ce que c'est ici? Non, c'est le tuyau, enfin, le tuyau bleu. Allez, hop. Ah bah il est là le tuyau vert. Ouais, mais je vais le faire avec le tuyau bleu. C'est plus joli. Ouvrir. Et donc là, j'ai deux tuyaux. Celui-ci, on va le placer par-dessus, enfin, sur le par-dessus le path. Et l'autre, on va le placer en dessous. À quoi ça va servir? Ça va faire en sorte que du coup, on aura l'impression que Mario est dans le tuyau, tout simplement. Et ensuite, dans le path, juste ici, je vais faire un petit clic droit. Alors, je vais mettre path word 1. Voilà, c'est bien. Ok, il est mignon. Pardon. Hop. Ici, hop, hop. Ouais. Alors, quand par exemple ici là je veux set les... Ah si ça marche. Des fois quand il y a trop peu d'espace ici, il veut pas que vous sélectionnez les options. Et du coup dans ce cas juste éloignez-les, mettez vos options et rapprochez. Donc ici on va mettre un tuyau. Et du coup ici un jump de sable, oui. Et ici une marche de sable. Et ici on va mettre le 2-1. Tout con. Et merde. Enfin oui, du coup, je vais l'enregistrer, je vais l'appeler du coup truc.kepimap. Donc ici, je veux que je puisse switcher entre les deux maps. Et c'est là que tout l'enfer commence. Pourquoi? Parce que c'est chiant. Donc on a nos deux nodes. On va vouloir les relier. Ce que l'on veut, c'est qu'en fait, enfin déjà vous voyez qu'ils ont un ID, hein, ID 1, les deux. Et du coup là, je veux que dans ma map qui s'appellera, comme on avait appelé donc tuto et truc. Donc je veux que dans tuto, la node ID 1 soit reliée à la node ID 1 de truc. Comment faire? Et bien déjà ici, le petit truc, c'est l'ID de node de l'autre node. Donc là, c'est bien déjà, c'est les deux sont à 1. Donc ça tombe bien. Sauf qu'ici, nous, c'est pas none.arc. Hein. Non, nous, c'est tuto et truc. Donc, on va aller ici. On va sélectionner ici truc slash map slash truc.kpbin et on va le mettre ici. Et on va faire pareil pour tuto. Merde. Hop. On va mettre là. Et ensuite ici, le fade out, c'est la transition. C'est-à-dire la transition que ça va faire quand vous allez de l'un à l'autre. Donc, moi ce que je veux, c'est que... Enfin déjà, je vais vous expliquer les transitions qu'il y a. On a Fade Out, qui est un fondu. Circle Wipe, qui est une sortie en cercle. Bowser Wipe, une sortie avec le logo de Bowser. Goo Wipe Down, c'est je sais pas comment expliquer, mais du coup, c'est celui-là que j'ai sélectionné comme ça. Je vous le montrerai, comme ça, je vais pas à vous l'expliquer. Mario Wipe,
Donc c'est une sortie avec le God Mario. Circle Wipe Slow, c'est une sortie avec un cercle, c'est une sortie en cercle mais en plus lent. Et Glitch Gasm, c'est comme si bien dit glitch, ça va faire d'un coup en fait, ça va passer du coup du truc à directement paf noir. Donc ne l'utilisez pas. Mais du coup moi j'ai utilisé le Goo Wipe Down comme ça, vu que c'est j'arrive jamais à expliquer celui-là, comme ça vous verrez ce que c'est. Parce que des images, c'est quoi déjà le proverbe? C'est une image vaut mille mots, un truc comme ça, je sais plus c'est quoi. Et donc là, nos deux notes sont reliées. Je vais pouvoir faire un CTRL S ici et un CTRL S là pour sauvegarder. Maintenant, il me reste quand même trois petites choses à faire. La première, c'est déjà le background. Donc nous, on va laisser en haut ici. Et ici, on va en mettre un autre. Et je vais vous montrer après. Donc, enfin, remarque, non, je vais vous montrer maintenant. Donc on va se baser sur celui de l'eau, vu que c'est celui de base. On va faire un petit CTRL C, on va le décompresser. Merci. On va le renommer en machin.brs et on va l'ouvrir avec Brawl Crate, comme d'hab. Donc là, on a un petit modèle KPBG qui en fait est une grosse arnaque car il s'agit de l'eau, je crois, du monde 4 du jeu original. Donc là, quand on clique dessus, il s'affiche pas, mais si je fais un clic droit preview et que je dézoome, on a du coup notre énorme étendue du dos. Donc vous pouvez l'exporter et puis le modifier comme vous le voulez. Mais moi, étant donné que je vais m'embêter, je vais juste changer sa couleur. Alors comment que c'est qu'il faut qu'on fait? Vous allez dans le matériel ici et vous avez 4 couleurs. Ouais, mais je crois que c'est de là et ouais, c'est de là et compte pas. Donc c'est deux couleurs. C'est deux couleurs ici, dans Color 0. Qui en fait sont du bleu ici, du bleu clair quand même. Ici du bleu plus foncé, mais on va dire du bleu moyen. Donc moi je veux que mon eau soit rouge sang. Donc je vais faire ça comme ça. Yeah. Donc mes couleurs ont été modifiées. Juste vous cliquez là et puis vous sélectionnez. Ah merde, oui pardon. Vous sélectionnez du coup votre nouvelle couleur et vous faites OK. Hein, sinon ça ne marche pas parce qu'il est capricieux le logiciel. OK. Et donc là, j'ai mes nouvelles couleurs. Donc maintenant, si je vais essayer que je fais un petit preview. Magnifique, j'ai mon rouge sang là. Vous allez me dire, mais ton rouge, il est limite transparent là. Et vous verrez, ce sera pas comme ça. En plus, même, putain, en plus, c'est joli. Ça fait un truc rouge-orangé et tout. C'est super beau. Donc, on va pouvoir faire un petit CTRL S pour sauvegarder. Maintenant, machin.brrs, du coup, je le mets dans mon maps. Enfin, remarque même pas, je vais le compresser d'abord et après, je vais le mettre dans maps. Vous êtes pas obligé de le compresser, hein, mais je vais le faire quand même, moi. CTRL X pour plus d'optimisation. Donc c'est machin.brres. Et du coup, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire map, set background. Et ici, je vais mettre machin.brres. Ok. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il nous reste deux choses qui sont liées en fait. Le World Editor et la note de modification de monde. De changement de monde, pardon. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, si vous avez joué au jeu, vous êtes dans la Yoshi's Island, alias l'île de Yoshi. Et en bas, vous remarquez que c'est écrit île de Yoshi. En plus, c'est en vert, et puis en haut, le nom du niveau, il est dans un fond vert. Et en plus, quand vous sauvegardez, que vous allez après à l'écran titre et sur votre sélection de fichiers, vous voyez que c'est en vert, le fond, sur lequel il y a le texte. Et le nom du monde, d'ailleurs. Et bien, c'est ça. Qu'il faut faire dans le World Editor. Donc ici, je vais faire je vais aller dans le World Editor sur ma première map. Et voilà. Et je vais faire un add. Donc ça, c'est l'ID. Il n'est pas modifiable, donc ne touchez pas. Ensuite, vous pouvez set le nom. Je vais l'appeler le monde mash. Non, truc. Enfin non, monde tuto. Tiens, et l'autre, ce sera monde truc. Quel est son numéro de monde? C'est le monde 1. Track ID, c'est son numéro de musique, c'est-à-dire quelle musique se jouera. Donc comment savoir c'est quelle musique? Simplement, si je vais dans... donc là, en l'occurrence, là, pour le coup, c'est ça en new, mais normalement, c'est juste musique. Hein, pour le Apache Evolution. Donc c'est ça, le track ID. Donc si vous mettez 0, ce sera map 0 qui jouera. Si vous mettez 42, ce sera map 42 qui jouera. Donc là, en l'occurrence, je veux que ce soit la musique du monde 1. Donc je vais mettre... Hop,
Je vais mettre, putain de bordel de merde. Je vais mettre track 1. Ensuite, vous avez ces 6 magnifiques couleurs. FS Text 1. Qu'est-ce que c'est? Dis donc, Jamy. C'est simplement le dégradé de votre texte. Si je dis pas de bêtises, 1 c'est le bas, 2 c'est le haut. Donc vous avez votre texte qui donc en fait il sera d'une couleur d'un dégradé. Ensuite, FS Int 1 et 2, si je me dis c'est aussi dégradé, mais pour. Pardon, je suis bête. Ça, c'est le dégradé de votre nom de monde, oui, mais dans le file FS pour file select. Donc, dans le sélection de fichiers, le dégradé du nom de monde à cet endroit-là. Ensuite, FS int 1 et 2, c'est aussi le dégradé, mais dans le fond sur lequel sera écrit ce texte-là. Ensuite, HDT texte, c'est le fond, c'est la couleur du dégradé, donc même chose bas et ici haut, ou à moins que ce soit l'inverse, je ne sais plus. Du texte, mais cette fois c'est quand vous serez sur votre map, ce qui s'affichera en bas de l'écran. Et ensuite HUD Hue, Saturation et Lightness, donc luminosité, saturation et Hue, qui c'est la couleur du fond en fait. Et je sais plus, c'est du coup HSL. Je vais vous montrer justement comment obtenir toutes ces couleurs là. Donc tout d'abord, donc vous allez sur Google, et oui, j'écoute cette superbe musique que j'adore, et j'ai très bien le droit. Vous allez ouvrir un nouvel onglet, taper HTML, color code. Voilà, et du coup, vous allez sélectionner votre couleur. Alors moi, je veux que le dégradé de mon texte en bas soit jaune. Donc je vais sélectionner du jaune. Et du coup, ici, vous voyez, vous avez un petit croisillon. Oui, parce que ce caractère-là, ce n'est pas un hashtag. Ce n'est pas un dièse, c'est un croisillon d'après Wikipédia. Enfin, limite, on peut dire que c'est un dièse, mais hashtag par contre, ça non. Hashtag, ça n'existe pas, ce n'est pas un caractère, d'accord? Bien. Et du coup, je vais le mettre là. Je veux que... Merde, pardon. Dans bien le truc là. 255 à côté, c'est l'opacité. Hein, si vous voulez modifier, 255 étant le maximum, 0 étant le minimum. Je veux que ce soit la même couleur de bas de dégradé pour sur le HUD, et je veux que le haut soit en rouge, donc je sélectionne du rouge et je le mets ici, et je veux que le fond du truc là il soit vert, enfin vert en bas, vert fluo, tu vois, vert radioactif, vert uranium en bas et violet en haut. Je vous préviens, ce sera très moche, hein. Ce sera très moche le résultat, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà, et du coup ici le Hue, Saturation et Lightness, donc je veux que le fond de le truc là il soit en bleu comme ça. Donc, vous voyez, il est juste ici, HSL. Donc en Hue, on va... Merde. Non, pas... Enfin, pas on va merde, hein, mais bon. je me fais des blagues tout seul. Hue, Saturation et Lightness. Voilà. Et donc title level, c'est le niveau qui se jouera, enfin bref, qui sera là sur le title screen, donc sur l'écran titre, quand vous aurez, si jamais vous avez sauvegardé en ce monde-là. Donc voilà, c'est très moche, c'est horrible, mais c'est fait. Donc je vais faire un petit contrôle S. Et ici, je vais du coup en faire un autre, voir les editor, add, donc pour du coup notre deuxième app, que je vais appeler astucieusement le monde truc. Qui aura la musique du monde 2 qui sera déjà le monde 2, qui aura la musique du monde 2. Je vais pas retoucher les couleurs, hein, tant pis, ce sera très moche et ce sera illisible, mais honnêtement j'ai la grosse flemme. Et puis je vais laisser le title level, pas celui par défaut. J'ai pas envie de me réembêter de passer 10 minutes à faire quelque chose qui est inutile comme ça. Voilà. Alors maintenant, il se trouve qu'il y a quand même un petit inconvénient là-dedans. C'est que notre monde 1, il a une particularité. C'est ce qui s'appelle qu'il est son nom en fait est hard-codé. Qu'est-ce que ça veut dire hard-codé? Enfin hard-coded en anglais, donc bon, c'est codé difficilement en français littéralement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son nom, quand en fait son nom est défini dans le code du jeu. C'est-à-dire que quand vous lancerez le jeu pour la première fois, et eh ben ça ne mettra pas mon tuto, ça mettra de base Yoshi's Island en fait. Et ça mettra mon tuto que si vous quittez le monde et que vous revenez dedans.
Comment remédier à cet horrible problème? Eh bien, vous allez aller dans votre code source. Si vous voulez savoir comment le compiler, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Et je vais faire donc ici ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Oui, bien. Et du coup, je vais aller dans src. Alors, oui, attends. Oui, si, c'est bon. src. Je vais aller dans c'est file select.s. Je vais l'ouvrir avec Notepad++. Et comme vous pouvez le voir en bas, alors là, ici, ce sera écrit Yoshi's Island par défaut. Voilà, donc là, c'est île de Yoshi parce que c'est le truc de ma traduction française. Alors, il faut savoir, donc je vais temporairement, je vais remettre Yoshi's Island. Alors, deux choses. La première, enfin non, remarque, non, juste une chose en fait. Enfin, une chose et demie, on va dire. La première, c'est que votre texte ne pourra pas contenir de caractères accentués. Donc voilà, si ça vous embête, sorry. Si ça vous embête pas, tant mieux. Moi, ça m'embêtait pour ma trad française, mais on s'en bat les couilles. Donc voilà. Et en plus, même pas, parce que de base, ça me fait embêter, ouais, mais j'ai réglé le problème après. Donc, il faut savoir que par défaut, alors ici, c'est écrit 15, mais en fait, c'est 14. Il faut savoir que par défaut, le nom de la Yoshi's Island, si là, je le copie et que je fais fichier nouveau, vous voyez en bas, il fait 14 caractères. Donc, pourquoi est-ce qu'il fait 14 caractères? Parce que. Donc, il se trouve que par défaut, c'est des bytes de 32 bits, enfin, des trucs de 32 bits, quoi. Pour les noms de monde, ils peuvent avoir que 32 caractères maximum. Là, si je compte, j'ai 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Au final, du coup, ici, c'est 31, même si normalement, on m'avait dit que c'est 32. Bref. Et là, en gros, votre but, ça va être que la taille du nom de votre truc plus le nombre de 0 ici, à la fin, ça fasse 31. Donc là, Yoshi's Island, donc là, nous, ça va être le fameux nom de machin. Faut bien que ce soit le même orthographe que ici. Non, mon tuto, pardon. Je suis bête. Ah oui, à ne pas confondre, quoi. Quand même. Donc, notre fameux monde tuto. Si je regarde ici, vu que je ne sais plus compter, il fait 10 de long. Donc, du coup, j'ai 10. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah ben, je pense que c'est écrit ici. Bref, 15, 16, 17. 17 plus les 10, là, ça fait 27. Donc, il en manque 4 pour faire 31. Du coup, je vais rajouter donc virgule 0. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc là, maintenant, si je recompte, j'aurai bien mes 31. J'ai quand même, oui, 11 plus, du coup, ici, maintenant, il y en a 10, ça fait 21. 21 plus 10, ça fait 31. Maintenant, on a des belles couleurs ici. Donc, en fait, c'est nos couleurs de tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais utiliser une astuce astucieuse. C'est que je vais faire mon Word Editor ici, que je vais étirer bien loin et que je vais le mettre sur mon deuxième écran. Comme ça, je pourrais bien copier-coller mes couleurs. Là, vous allez me dire, attends, par exemple, si ici, je prends mon... Donc, en sachant que c'est dans le même ordre que dans le Word Editor, que le Word Editor. Donc, si fstext1, fstext2, fsint1, fsint2, hudtext1, hud. Alors, je vais fermer Photoshop s'il va me dire que je suis out of memory. Non, je ne veux pas sauvegarder. Je record toujours. Oui. Respire. Le stress, tu sais. Non, non, non. Et du coup, ici, hudhue. HUD saturation, HUD lightness. Voilà, voilà. Tout est bon, hein. Oui, 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 oui. Oui. Avec donc du coup ici, World ID, Track ID, le 0, je sais plus. Je vais être full honnête, je ne sais plus. Le 10 aussi, je ne sais plus. Mais du moins, c'est comme ça. Je m'en fous. Tu comprends, ça vaste. Tu as arrêté de me spammer tous les jours. Donc là, vous remarquerez que nos couleurs de tout à l'heure, elles avaient du coup 6 caractères. Donc par exemple, pour le jaune, FFFF00. Alors que là, bah, on en a 8.
En fait, le entre parenthèses 255 qu'il y avait à côté, et ben ça correspond au FF ici. FF qui en hexadécimal est 255. Du coup, juste recopiez vos couleurs comme il faut. Juste ignorez le FF à la fin et laissez-le comme il est. Ou alors, si vous avez changé autre chose que 255, et bien, mais convertissez en hexadécimal. Et puis, mettez-y à la place, écoutez, hein. Donc, du coup, ici, FF0000. Ensuite, 1. FFF00 CD00FF FFFF00 et ici bah, du coup c'est même que là voilà donc ça c'est fait et ensuite vous allez me dire bah attends la 0x75 ça veut dire 75 ok mais 0x2e ça veut dire quoi en fait non déjà 0x75 c'est pas 75. Et justement, en fait, il va falloir convertir tout ça en hexadécimal. Alors, astuce géniale pour convertir en hexadécimal. Là, en l'occurrence, on va convertir notre hue qui est de 238 en hexadécimal. Et vous allez là, 238 to hex. Alors, j'ai mis en majuscule sans faire exprès. Donc, ça ne passe pas. To hex. Et hop, vous avez votre valeur en hexadécimal. C'est magique. Donc, j'ai converti mon hue. Ah, je suis content. Ensuite 100 qui est et maintenant je peux faire un petit contrôle S et maintenant que tout ça c'est sauvegardé dans notre KMake on va pouvoir aller le compiler et en attendant que ça compile je vais fermer ça on va exporter nos maps. Donc on va exporter celle-ci, file export, dans notre dossier map. Ensuite, je vous rappelle qu'elle s'appelle astucieusement tuto.kepibin. Donc elle va s'exporter tranquillement. Ensuite, file export, pour exporter donc notre fameuse et utile truc.kepibin. Donc je vérifie bien que c'est bien ça les noms parce que à chaque fois j'ai peur de me gourer. C'est bien ça. Donc maintenant qu'on a nos superbes tutos et trucs, on va pouvoir les CTRL-X et les compresser. Vous n'êtes pas obligé, mais perso je préfère. Après généralement les gens ce qu'ils font c'est qu'ils travaillent sans rien compresser et puis après quand ils sortent leur hack ils compressent tout. Moi c'est moi-même ce que je fais. Mais bon là pour le tuto je vais compresser. Donc là on a tuto et trucs qui sont compressés. Et du coup là vous voyez qu'il est en train de me compiler ce bouffon. Magne-toi. J'ai pas le gros. Genre vraiment. J'ai pas le gros. Je vais faire ici. Il me reste beaucoup de barres. Ah, voilà, vu que moi, je marche bien. C'est pour aller à la française. C'est pour aller. Mais non, ça va. Vide. Mais voilà, vu que la vie quand j'ai un peu de mal, c'est pour ça. Mais non, parce que j'ai fait des questions un petit peu comment. Pour ma chanson de l'immobilier. Donc, enfin, je le trouve bien. C'est pas fait pour mon lettre française. Donc, ça marche bien. Et voilà. D'accord. Prêt. J'ai pas si ça marche bien. La version X, ça prend quoi? Allez, c'est que c'est fini. C'est que c'est fini. J'ai pas de balles. NTC 2. Et c'est fait. Donc maintenant qu'on a nos super beaux fichiers, on va tous les mettre là. Oui. Bien. Et maintenant, si je n'ai rien oublié, ça va être l'heure du test. Je vais quand même vérifier, j'ai rien oublié, on est bien d'accord. Donc on va pouvoir passer à la phase de test. Vous voyez, du coup, tout est en français, hein. Comment ça? Ah bah oui, logique, logique. Oui, j'ai rien dit, excusez-moi. Logique, logique. Ah là là. Mon processeur adore s'ébouillanter tellement, tellement, tellement ça surchauffe là. Si les records se corrompent à cause de mes conneries, ça m'embêterait. Vous voyez, tout est en français. La trad est quasi finie, il reste que quelques petits trucs. Here we go! Mais le jeu est en français. Je suis bien content de moi pour l'avoir traduit. Des gens qui sont des intéressants. C'est-à-dire qu'ils ont des problèmes avec le chat, le travail, par exemple, les siennes, tu vois. Pas merde, je m'en fous, mais il y a des choses qui sont dans le truc. Voilà. Alors oui, du coup, je suis un peu con, vu que j'ai mis le doodad de la petite flèche au-dessus, au final, je suis par-dessus. Mais bon. Donc, vous voyez qu'on a notre beau background rouge sang. Notre Mario passe bien derrière cette maison Toad. On a bien là notre fond en bleu.
notre dégradé de nom de monde en jaune et rouge, ce qui fait donc du orange. On a notre palmier qui bouge. Si vous regardez là à droite, on a bien notre bois. Donc là, tout fonctionne. Et j'en suis vraiment content. Oh, merde! J'ai oublié un truc. J'ai oublié les trucs de changement de monde. Donc. Hop. On va rajouter deux chemins là. Et ici aussi, deux. Hop. Mettre ça un peu plus loin. Bon, tant pis, ça dépasse un peu sur le tailleset, mais c'est pas grave. C'est bien droit ou pas? Non, mais c'est pas grave. Donc. Les nodes de changement de monde, à quoi elles servent? Elles servent à faire changer le texte qui s'affiche en bas. Et oui, parce que sinon vous aurez coincé toute votre vie avec votre nom pas beau. Donc, comment c'est qu'il faut que ça marche? Ici, il faut que vous mettiez donc le 1, ici le 0, donc ça l'ID qui correspond à l'ID de monde à montrer. Et donc ici 0 et ici 1. Pourquoi? Comme ça, admettons ma souris représente Mario. Mario est donc dans le monde tuto, et là il descend. Il va toucher cette node-là, qui le fait mettre à 1, sauf qu'il est encore dans le monde, donc ça reste, ça ne fait rien. Après, tu sais à 0, ce qu'il fait, enlever le petit texte en bas. Il change de monde, il arrive là, hop, il sort du tuyau. Là, il touche une 0, donc vu qu'il y a déjà rien qui est affiché, bah, ça ne peut pas ne pas afficher ce qui n'est pas affiché, donc ça ne fait rien. Après, il touche le 1, ce qui fait afficher l'ID 1, mais cette fois l'ID 1 de ce monde-ci, qui fait donc afficher le monde truc. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Alors là, quand on va tester à tous les coups, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont extrêmement collés et que j'ai la flemme d'agrandir la map. Mais normalement, ça devrait marcher. Donc là, si dans mon tuto ça ne marche pas, ça marchera pour vous si jamais vous évitez de tout coller comme je l'ai fait. Tout simplement. Donc on va faire un petit file export. On va exporter. Hop, ici nous sommes sur truc 1. Exporter, export. Maintenant c'est fait, on se met l'obligation de tâche et on va passer. Est-ce que tu fais dans le tuto? La version PC est priorisée. De retour. Enfin, de retour. Des trucs à faire, quoi. Putain, à 18h56, j'avais pas prévu que ça durait si longtemps. Ça va faire 2 heures de tuto, limite. Enfin, 2 heures pour moi, quoi, pas pour vous. Appuyez sur 2. Voilà, donc vous voyez, j'ai mon beau dégradé entre du violet et du vert. Hein. C'est beau. Mais étant donné que j'ai rajouté des trucs de changement de monde, je pense le supprimer et recréer le fichier. Mais ouais, donc vous voyez, j'ai mon dégradé bien moche. Hein. C'est... Ouais. Vous m'avez compris. Du coup, ouais, oui. Non, elle est oubliée. J'allais dire un truc, mais... Vous ne ferez pas l'erreur. Oui, bon, voilà. Du coup, mon monde tuto. Donc oui, hein, ça le truc qui apparaît devant moi, c'est une erreur de ma part. Hein, c'est pas la faute du jeu. Donc, je vais faire sûrement petit timelapse. Le temps du coup de finir ces niveaux pour vous montrer les chemins qui apparaissent. Je chante en décalé avec la musique parce qu'elle rame, c'est la chante, j'en ai recul. Pourquoi il faut que ça rame tout le temps sur cet ordinateur? Youhou. Je vais fermer des trucs. Bien. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, magie, notre chemin apparaît. Et il est apparu. Vous pouvez voir à droite, on a bien notre tel set de bois extrêmement moche, mais qui marche.
C'est ce qui compte. Ah, j'ai pas changé là le world. Il a ce match, je crois ce match. N'oublie un mot. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Phew. Je m'éclate. Bien, après cette galère, enfin nos deux chemins sont débloqués. Vous voyez que si je vais ici, ça va bien faire un saut entre les deux, comme on avait paramétré. Et maintenant, là, je prie pour que ça marche. Yes, du coup, vous voyez, voilà, c'est ça, du coup, la transition goût, là. Goût, gaz, ou je sais pas quoi. Et là, je ressors par un tuyau. Et ça m'a pas affiché mon truc, parce que, comme je l'ai montré, les deux, ils étaient compressés comme pas possible. Et du coup, bah, rip. Mais du coup, là, si je l'avais fait un peu mieux, ça aurait pas fait ça, ça aurait bien marché. Donc, voilà, c'est tout. Donc on a eu, du coup, par contre, si j'y retourne, normalement, ça me remettra mon tuto. Non, le truc est trop proche. Dommage, je les ai trop... C'est embêtant, ça, mais bon. Mais du moins, c'est ça. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto complet sur Coupe Atlas, incluant les doodads, leurs animations, les tilesets customisés ou pas, les nodes, les paths, les world backgrounds, les world names, tout en fait. Donc voilà, j'ai pas moyen, hop, juste de toucher le node 1, non, j'y arrive pas. Dommage, c'est assez dommage. Mais bon, qu'est-ce qu'on y peut? Pas grand-chose. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à ceux qui l'auront regardé en entier. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et si vous aimeriez d'autres tutos sur le modding de ce jeu, eh bien, n'hésitez pas. Par contre, je vous préviens, généralement, il faut entre 30 minutes et 1 heure. Et encore, parce que ce tuto-là, il doit bien faire 2 heures. Donc, voilà. À vos risques et périls. Donc, en attendant, moi, je vous dis à la prochaine. À plus. Oh putain, j'en peux plus. Ah, oh, j'ai mal à la tête, putain. Oh, c'était long de monter toute cette merde là. Regardez-moi ce bordel. 1h32. Putain, j'en peux plus. C'est horrible. Je déteste le montage. Pff, heureusement, c'est fini. Ah, j'en peux plus, j'en ai marre. C'était insupportable. N'espérez pas revoir des vidéos montées comme ça de sitôt, surtout quand elles durent 1h30. Enfin, 1h30, la vidéo finale, hein. À monter, ça prend pas 1h30, ça prend plus. Là, ça doit faire bien 3-4 heures, peut-être 5 heures que je monte, j'en peux plus. Donc bon, c'était bien insupportable, surtout en plus pour switcher entre mes deux PC. Donc voilà, c'est enfin terminé, putain. Pfiouh.